Et salut à tous et bienvenue sur Pasta Rocket, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le sixième épisode sur RimWorld et comme tout bon épisode qui se respecte, eh bien on va commencer par faire le tour des modifications qui ont été apportées à l'épisode précédent pour après planifier un petit peu ce qu'on va faire sur cet épisode-là. Et on commence par regarder notre ami Exien miner gentiment nos portes chaudes qui avance gentiment. On va d'ailleurs tout de suite l'aider car il ne peut pas détruire, enfin miner cette partie-là sans qu'on détruise le mur qu'il y a autour en acier. Donc voilà pour toi mon ami Exien, tu peux continuer gentiment. On voit qu'on a 2-3 choses de prévues dans cette zone où sont concentrés tous nos établis, ou presque tous. On a un billard, mais je vais l'annuler le billard, parce que en fait je vais faire plus un bâtiment dédié pour le divertissement pour nos colons, donc je le ferai ailleurs, pas à l'endroit où ils bossent, quoi. Je vais continuer à détruire, parce qu'il y a un autre pan, vous voyez, le mur, voilà. On a aussi un établi en pierre qui va être fait, donc il faudra mettre Exien dessus après qu'il ait fini cette zone-là, pour faire nos fortifications, nos murs, hein. Je vous rappelle qu'on va faire des murs dans toutes les entrées de notre colonie pour fortifier un petit peu tout ça. Après, au niveau du banc de recherche, on a terminé pas mal de recherches, dont une que vous pouvez regarder l'œuvre de suite, c'est la tapisserie. La tapisserie hein, qui nous va nous permettre d'améliorer encore une fois l'humeur. Hein. Je vous rabâche toujours la même chose sur l'humeur, mais c'est très important. J'ai pas envie qu'ils se retournent les uns contre les autres, les petits pépères. Donc on va tapisser le sol des différentes chambres. Donc en rouge ici, en vert là, en bleu ici. Notre petit prisonnier, donc on a réussi à encore capturer un prisonnier l'épisode précédent. On va lui améliorer sa petite chambre. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on va mettre de suite Exien en tant que geôlier, pour qu'il commence à entamer la relation amicale et qu'il le mette dans la cellule qu'il faut. Parce que s'il dort au sol, c'est parce qu'il est soigné, qu'il ne veut pas dormir sur le lit médical. Donc on va le mettre dans sa cellule demain. En parlant de lit médical, une autre recherche nous a permis de créer des lits médicaux plus performants. On va donc en équiper la prison ainsi que notre chambre spéciale. Donc c'est là, voilà. On va faire, j'ai oublié au niveau des recherches, on va en lancer une parce que a priori j'ai laissé Swigs sans recherche à accomplir. On va prendre lumière colorée pour continuer dans ce souci sur l'humeur. On va détruire le lit médical moins bon. Hop, j'espère que j'ai bien. Oui, c'est bien le lit que j'ai détruit. Que je ne détruise pas un fil électrique. Voilà. On accélère. On a vu aussi qu'on avait fait les jardins hydroponiques on les a disposés de meilleure manière, donc les colons pour passer entrent, et on a disposé une lampe solaire qui va nous permettre eh bien, de faire pousser les denrées sur ces champs hydroponiques. Va falloir aussi qu'on ferme cette zone pour que les denrées ne soient pas affectées par les cultures, enfin plutôt les cultures ne soient pas affectées par les températures plutôt. La lampe solaire, vous voyez que je l'ai bien écartée pour éviter qu'elle prenne feu et que ça prenne les champs prennent feu en même temps. Donc ça c'est tout bon. On a un effondrement, d'accord, qui a détruit notre banc de recherche. Donc on va tout de suite en recréer un autre. Production, banc de recherche. Là, ici, on va mettre Swigs directement dessus. On va peut-être calmer un peu le temps là. On va demander à Christophe de rentrer au frais toutes les denrées que vous voyez parce que ça va gentiment se détériorer si on le laisse dehors. Voilà, Swizz fait les petits tapis, ça c'est cool. Ça va aider notre prisonnier à le convaincre de rester avec nous. Padrock, tu ne fais rien. Tu ne fais plus les petites statues. D'ailleurs, je vais arrêter de faire les petites statues. Et on va... Alors, installation, c'est bon, c'est installé, ça? Non, c'est pas encore installé. Ok, ça va le faire. Oh oui, j'avais acheté l'épisode précédent aussi. Pourquoi j'ai arrêté le temps?
l'épisode précédent, j'ai acheté à un marchand un télescope pour permettre de divertir nos habitants. Et j'avais d'ailleurs, pour leur laisser un moment de libre pour l'utiliser, eh bien je leur ai laissé une heure en fin de journée pour le loisir. Peut-être que j'augmenterai, peut-être que je les mettrai ailleurs, parce que c'est vrai qu'ils sont fatigués en fin de journée. Je sais pas si ça joue, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont se divertir d'eux-mêmes en fin de journée, on regardera. Ce qu'on va faire aussi, donc les lits médicaux, c'est bon. Les panneaux solaires, vous voyez que j'ai plus du tout en stock d'électricité. À mon avis, j'ai trop de structures par rapport à l'énergie que je fournis. Donc il va falloir que je crée d'autres panneaux solaires. Donc c'est prévu aussi, c'était déjà prévu l'épisode précédent. Là, je vais demander à Switch, dès qu'il sera réveillé, de continuer sa recherche, de construire le banc de recherche plutôt, et après de continuer sa recherche. Christophe, après que tu aies bien mangé, je vais te demander... Non, Swiss, ne fais pas... Ouais, commence, et puis t'as commencé. C'est bien aussi. Hop, Christophe, s'il te plaît, est-ce que tu peux rentrer tout ça? Swiss, est-ce que tu peux construire ton banc? Moi, je vais m'arrêter sur... je vais arrêter de faire l'artisanat. Et je vais me remettre à la cuisine. Hop. Parce que là, on va commencer à en manquer. Alors, vous voyez qu'Exienne discute gentiment avec le prisonnier pour essayer de, pour le moment, d'avoir une relation amicale avec. Donc voilà, dialogue amical. On va voir son humeur. Ah, c'est pas terrible. Hein. Petite faim, environnement déplaisant, souffre légèrement. On va lui mettre un petit pot de fleurs. Hop. Tac. On va demander à Christophe qui nettoie. D'abord, nettoie, si tu peux, nettoyer la boue. La recherche se fait. Exienne continue. Pas de rock se remet normalement à la cuisine. Donc on est plutôt bon. Plutôt bon. Ouais, Christophe, quand t'auras fini, tu continueras, s'il te plaît, ceci, nettoyage. Voilà. Exienne. Il y a une autre recherche que je voudrais faire aussi, qui va aider notre ami Exienne, c'est... c'est celle-ci. Les pioches de vomir sont 20% plus efficaces. Donc ça va être important pour Exienne. Là... Un plafond s'est effondré, donc c'est toujours le même, on va le laisser. Hein. Je sais pas si on peut combler ce... Parce que le message va venir tout le temps. Je sais pas si on peut combler le trou fait, mais je regarderai en dehors, en off, voir si on peut faire quelque chose là-dessus, parce que ça va être pénible d'avoir tout le temps ce message affiché. Donc, Pete, faisons un point. Ton humeur augmente, c'est bien. Dépressif. Ok, c'est écrit quoi? Je n'ai pas dormi. Bonus de base du trait dépressif. Ah oui, d'accord. C'est lié à sa personnalité. Donc ça, on peut pas faire grand-chose. Souffre légèrement. Le petit pot de fleurs va arriver. Si on pouvait y installer la statue, ce serait bien. Alors, Christophe... Christophe, tu vas prioriser de ramener tout ça au frigo, là. Voilà. Voilà, mon pépère. Alors, recherche terminée, lumière colorée, cool. On va en installer de suite. On va déjà avoir relancé une recherche. Donc la pompe pneumatique. Assez bizarre pour quelque chose relié à la pioche, mais bon. On va détruire ça. Donc là, c'est bien la lampadaire, ouais. Détruire, on va y créer équipement, une petite lampe. De toute beauté, même Valérie D'Amido, alors elle n'y aurait pas pensé, on va y mettre une petite lampe rouge. Là, on va mettre des lampes bleues. Il faut que je les détruise avant. Ou je vais les mettre... Non, c'est pas grave, on va les mettre là. Bleu. 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 Hop, on détruit.
pas tout. Non, je vais pas faire comme ça parce que ça va tout me détruire. J'ai peur que ça me détruise l'électricité, donc détruire. Non, pas le tapis. Hop, détruire. Là, c'est bien la lampadaire que j'ai détruit, ouais. Hop, lampadaire, détruire. Là, c'est vert, donc on va le mettre. Là, j'ai mis bleu, rouge. Ça va être vert aussi. C'est pas grave. Équipement. J'aurais pu tourner. Vert. Hop, 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 et voilà. On va détruire celle-là, on va pas en avoir 50 000. Détruire. Détruire. Et... détruire. Ok. Humeur. Je vérifie. On est plutôt pas mal encore. Exienne va faire une petite journée à le surveiller encore. Je voudrais bien, Christophe, que tu ailles nettoyer un petit peu le bordel, là. Parce que c'est plein de boue et c'est plein de... plein de sang, voilà. Allez, go, on accélère. Les journées passent vite. On va commencer à faire le petit pan de mur ici, qui va séparer donc la salle de recherche et notre zone de fight. On va faire de suite aussi effondrement. Oui, bah oui. Ça s'effondre, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Hop, hop. Là. C'est bon. On va faire... là, j'ai mis... j'ai demandé qu'on détruise. Hein. C'est bon, ouais. Ok. On accélère un peu plus. On va faire... en sécurité. Tac. On va faire comme ça. Comme ça. Non, peut-être pas comme ça. On va laisser deux cases. Pour que mes pépères puissent circuler quand même. Ok, comme ça. Voilà. Vendeur de produits exotiques. Alors, on va faire une petite pause. Enfin, on va arrêter le temps comme ça. On va demander à Exienne d'aller le voir, ce vendeur de produits exotiques. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent? Des statues, de l'or, un télescope toujours, armure autonome, des vêtements. Moi, je vais vendre ce que j'ai là, en vêtements. Glisser pour quoi? Voilà, vendre. T-shirt, bon, je le garde. Pantalon médiocre, je vais le garder aussi. Chemise horrible, je le vends. Télescope, je le garde. La petite statue. 45$, c'est pas mal. Hein. Bon, on va pas la vendre de suite. Noyau IA de personnalité. Un noyau d'ordinateur hyper avancé hébergeant une intelligence artificielle surhumaine. Dans son état isolé, le noyau demeure dormant. Installé dans une structure adéquate, en revanche, il peut devenir un esprit d'une puissance effrayante. Ah, mais 6500, c'est tout est cher. Hein. Construction de entraîneur. Un appareil nanotechnologique jetable, il s'insère par le globe oculaire et libère les nanomachines dans le cerveau du sujet, améliorant rapidement ses compétences dans un domaine. D'ailleurs. Mais c'est très très cher. Médicaments avancés. Je pourrais... est-ce que j'en ai encore? Je pense que j'en ai encore. Écoutez, on va garder notre argent pour le moment. On n'en a pas besoin. Allez, on continue. Il en est où? Il dort. Allez, on va le mettre en tentée de recrutement. Tentée de recrutement. Et on va essayer de le convaincre. Hein, Exienne, le prochain tour, il va s'en occuper. Swiggs fait ceci. Christophe, il peut pas construire, donc c'est normal. Swiggs, tu vas arrêter un petit peu. Tu vas prioriser. Démantèlement. Ok. On va détruire. Attends, t'es pas fini, mon père. Je veux que tu construises équipement une lampe rouge. Ça va faire du plus bel effet. Nickel.
Vendeur produit, ok. Pas de roc, t'as fait assez de bouffe. Va construire ça, mon petit. Et on accélère. Allez! Ouais, ça va être pénible d'avoir tout le temps ce message. Il va falloir vraiment que je regarde comment on peut faire pour l'enlever ou alors au moins enflouer le mur, enfin le plafond. Peut-être en faisant juste un mur. Donc Padrock, tu t'en es pas occupé plus que ça. Vraiment, tu t'occupes de la bouffe. Il va falloir un constructeur. C'est bientôt fini. De toute façon, Eliane, je pourrais le remettre là-dessus. Sur construire tout ce qui est banc de sable, le mur. Et je remettrai aussi dans l'acier parce que. Si c'est bon, là, je suis pas mal. Ok. On n'a pas eu d'événement pour l'instant très très critique. J'aimerais bien. Il a tenté de recruter, mais ça n'a pas marché a priori. Beauté, confort, nourriture, espace. L'espace il n'est pas terrible, genre, je vais pouvoir refaire aussi un immeuble. Hein. Ça reste des prisonniers. Padrock, tu vas arrêter un petit peu la bouffe. T'en as fait assez pour le moment. Hop, et on va te mettre constructeur. Voilà. Allez, go! Go, 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 go! Et un raid. Un raid au milieu. Un raid au milieu. C'est bien ce que je pense ou c'est moi? Oui, c'est ça. Alors, tac. Donc vous voyez que mes portes chaudes, hein, ça va pas servir à grand chose. Enfin, ça va servir, mais pas là-dessus. Enfin, pas forcément tout le temps. Mobiliser, tac, attaquer. Alors là, j'ai pas de roc qui est au tas. Je vois pas très bien. Je crois qu'il est couché, c'est bon. Donc, mon pauvre vieux Padrock, tu vas. T'as une blessure grave. Alors, santé. Blessure par balle en plus. Donc, on va construire. On va construire. Parce que c'était pas fait. Prioriser, voilà. On va prioriser ça. Christophe, tu peux y retourner. Il est mort, hein. Il est pas mort. Il est pas mort. Alors, un colon a besoin de soins. Non, faut vraiment que tu priorises ça. Voilà. Toi, pas de rock, tu vas gentiment t'approcher et on va te soigner. Continue, s'il te plaît, à prioriser. Il est bien aimable. Il va pas finir. Hein. Ah, il y a toujours le raid. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un d'autre, non? Ah non, c'est bon. Ok. Bon, on va continuer, tant pis, le dialogue amical avec lui, pour le moment. Ouais, on va continuer le dialogue amical, parce que ça ne va pas suffire. Oui, je sais qu'il a besoin de soins. Allez, accélère, accélère, accélère. Mais pourquoi tu ne veux pas finir? Ah, il va chercher... Non, il ne va pas chercher du tout. Ah, elle a besoin de... Oh bah, vous déconnez, vous en avez plein de l'acier. Ok, on va te mettre un... Tant pis. J'aurais voulu avoir le nouveau lit. Lit en acier, définir comme médical, tac. On va démobiliser. Allez, on va te mettre... Se reposer jusqu'à guérison. Swigs, tu vas les soigner. Non, pas priorité, la tapis vert. Prioriser, soigner. Et prioriser, nourrir. Donc là, c'est bon. Là, j'ai plus mes lampes. Donc, hop. Annuler.
Et ben on va annuler ceux-là aussi. Hop. On va faire comme il faut. Alors tu vas les faire en vert. Hop. Vert. Vert. Et là on va les faire en bleu. 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 Ok. Oui, galère. Ah oui, il faudra peut-être aller récupérer aussi l'autre. Alors attends. Christophe, je crois qu'il peut aussi être médecin. Ouais. Il apprend vite en plus. Donc. Capture-moi. Capturé. Pas très envie. J'ai dit capturé. Aucun lit réservé aux prisonniers disponibles. Mince, c'est vrai. Alors, Exiel. Normalement, il est fait. Là. Voilà. On se dépêche. On se dépêche, on se dépêche. Voilà. Il va mourir, ce... Non. Tu ne fais pas la lampe. Tu priorises ceci. Allez. C'est pas compliqué, un chien. Allez, 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 faut finir, faut le finir. Non, pas le pot. C'est incroyable, ils vont pas le finir. Ok, on va mettre médical celui-là. Tac, définir comme lit médical. Christophe va me chercher capturé. Là, on remet ce lit. En normal, vu que pas de rock, c'est bon. Il y a un peu de boulot encore dans les ordres. Hein. Alors lui, on en est où? On a plus de lumière, on a plus rien. Pas de rock a pas fini. Il manque juste un petit bout pour finir les portes chaudes. Voilà, la petite roue lumière rouge. Voilà, pas de rock. Finis-moi le lit, s'il te plaît. Ne peut pas... Qu'est-ce qu'il écrit? Acier de besoin d'acier. Vous les connaissez, les gars, vous en avez plein. Alors, c'est pas grave. On va au moins faire l'équipement. Équipement. Lampe rouge. Hop. Hop. J'aimerais bien qu'il finisse ceci, s'il te plaît. D'accord. Il est en train de tout faire. Par contre, ouais, faut vraiment que Swigs va le capturer, s'il te plaît. Capturer. Il n'a strictement rien à carrer. Ah oui, ok, lui, je l'ai mis, d'accord. C'est moi, c'est ma mon erreur. Voilà. Capturé. Oui. Ouh, on va s'en sortir. Alors, tu le soignes, s'il te plaît. Tu t'en prends bien soin. Prisonnier. Tac, reçois dessin. Dialogue amical. Maladie grave, tu le soignes, donc. Prise soignée. Oui. Ok. Bah c'est pas facile là hein. T'en es où toi? Il meurt. Et tu déconnes, on va essayer de te recruter hein. Tu vas nous suivre hein. Exienne, tu te mets. Je crois que tu peux pas être artisan. Non. Donc tu continues la construction. C'est bien. Pas de rock, je voudrais bien que tu finisses le lit, franchement. C'est pas compliqué. Comment ça se fait qu'il se finit pas? On a plein d'acier en plus. Alors, Exien est lancé là-dessus. Ok. J'avais pas mis de porte encore. Peut-être falloir que j'en mette. Structure, porte. Voilà.
Ah bah voyez, je pense que ça. Il n'y a plus d'effondrement, si. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'effondrement pourtant. Parce que j'ai refait un mur. Je suis pas sûr que. Que ça ne s'effondre plus. On va voir si le message continue. Alors, construire, vas-y, construis. Oui, oui. Bon, on va leur dire d'annuler. Voilà, et on va leur dire de créer énergie, équipement, du médical. Voilà. Ok, qu'est-ce qui se passe? Eliane n'a pas réussi à recruter. D'accord. 11% de chance. C'est pas beaucoup, 11%. Hein. Pourtant, je te mets vraiment dans les bonnes dispositions. Hein. Le prisonnier est où, là? Il s'est barré? Il a dû se barrer. Là, j'ai dû rater un épisode. J'étais pas du tout focalisé là-dessus. Mais il sait en aller. Hein. Ou alors, attendez, je vais regarder. Ah oui, il est là. Il est mort. Ok. Va falloir faire une tombe. Donc, Swigs. Bad Rock, Swigs. Fais-moi une tombe. Tac. Allez, c'est que le cinquième, c'est tout. Alors, voilà. Exilien se met à faire ça. C'est bien. Tu vas te mettre tout de suite sur la taille de la pierre, mon ami. Ah non, tu peux pas, c'est vrai que t'es partisan. Il faudrait plus de d'acier. Donc, tu vas continuer l'acier. On s'en sort, mais c'est dur. Alors, Christophe, récupère-moi le corps. Tu me le mets dans la tombe. Bon, tu peux déshabiller et après transporter. Dommage, j'ai pas été assez attentif. Alors, 81. Touché par Christophe ne peut pas toucher la cible, d'accord. Allez, mon pépère. Bon, il faut que tu arrives à le convaincre. Hein. Pas de rock. Est-ce que tu peux me finir ça? Toujours pas? Ça va arriver, hein. À un moment donné. Il va se laisser convaincre. Hein. Ok. Ah, oui. Je voulais pas faire en bois, en fait. Donc, on va annuler ça. Voilà. On va annuler. Je vais le faire en pierre. Je veux absolument faire ces murs en pierre. Ça sera plus costaud. Il sera pas sensible au feu. Ça, c'est une massue. Ok. Pas de rock fait ça. Au niveau de la bouffe... On est bien. On est même très bien. Débris de morceaux d'acier, ok. Ah, ça y est, ils ont enfin installé la statue. Et je vois que Pete, mon ami Pete. Eh oui. Nous avons une nouvelle recrue. Wouh. Nous avons réussi à recruter le prisonnier. J'aurais bien voulu recruter l'autre aussi, mais tant pis. Donc, on fait le point. Pete, tu sais faire quoi? La chasse, ok. Transporteur, ok. Miner, ok. Pompier, je te mets de direct. Et ça sera pas mal déjà. Tu peux construire un petit peu. Ça éviterait que pas de rock. Moi, je construise. Voilà. Je me remets à la cuisine. Voilà. Ok. On est bon, donc on a une nouvelle recrue. Alléluia! On a réussi. Et dans les temps de l'épisode, en plus. Très bien. On continue un petit peu. On va passer la nuit, voir s'il nous arrive quelque chose. Exiane, mon ami. Si tu vas pas dormir, tu fais ça. Hein. Faudrait... Je vais finir les dernières 2-3 trucs qu'il faut que je fasse. Demain, je vais demander à Padrock, donc moi... Non, je suis plus constructeur. Je vais demander à Pete. J'ai le fournisseur militaire, mais j'ai pas d'argent. Allez.
motivé le Christophe, hein, le Pete. Ouais, il est lent. Hein. On va regarder un petit peu. Capsule de cargo. Ouais, c'est pas loin en plus. Cool. J'avais pas fait de lampe là. Alors, une lampe. Équipement. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter. On aura fait pas mal de choses. J'ai pas fait de tapis aussi, je vais faire le tapis là. Je sais qu'il manque du tissu, mais il faudra le faire. Et les lits médicaux, ils veulent pas les faire. Hein. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe sur ces lits médicaux. Il me faut médicaments. Ah, il faut 10 de médicaments. Et je les ai pas. C'est pour ça. Ok, bon bah tant pis. Hein. Attends, peut-être que je pourrais en acheter. Alors. Il est où le petit Ilian? Ouais. Hop, dépêchons. On regarde ça. Et j'ai encore un raid. On fait le raid, on essaie d'acheter des médicaments. Voilà. Alors, médicaments, il m'en faut. Accepté. On va pouvoir terminer. Je me suis énervé en fait sur les lits, mais on pouvait pas les faire. Sweets, est-ce que tu peux créer ça? Ah oui, d'accord. Ils sont pas encore arrivés, si. Voilà. Donc, tu m'en fais un là et un là. Nickel. On regarde où est le raid. D'accord, ils arrivent assez énervés. J'ai pas mis d'herbe à pit. Au niveau des aptitudes, il est quoi? Tir, mêlée. Mêlée. Équipé de... Non, peut-être pas du rasoir. Hein. Équipe plutôt... Tac. Équipe-toi plutôt de ça. Voilà. Et ils arrivent. Ils sont armés de quoi? Tire dans la tête, ça commence bien. Il a une grenade. Ah, une grenade, c'est pas bon. Et il a une grenade aussi. Donc, on y va. Swigs, Christophe. Non, Swigs, Christophe. Et Exien, go! Go! Alors, tac, tirer, et tac. Non, un peu de mal là. Voilà, tirer, go! Il est en train de détruire. Ah d'accord, les grenades ça stun. Ah d'accord, ouais. Ah, ça fait pas du bien. Wow, c'est qui a pris cher? J'ai pris une grenade, je crois. Ok. Ils sont morts tous les deux. Par contre, mon Christophe, il est vraiment dans la panade. Est-ce que tu peux finir ça? On va démobiliser les autres. Christophe, tac. Et Sweet, tac. Ok. Ah, ils sont tous les deux mal. Ok. On va demander... Réserve la pite. On va demander, ne peut pas... D'accord, a besoin de l'acier. Non mais ça va pas le faire, faut que je mette un lit médical normal. Tac. Tac, se reposer. Ah parce que Pete, il est lent quoi. Yeah. Hop, se reposer et pas de rock. Tu vas pouvoir faire ça, prioriser, soigner, prioriser, nourrir. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser sur ces belles couleurs vertes, bleues et rouges. On va... Ah bah oui, d'accord. On va laisser Padrock faire sa petite partie d'échec, mais je préférerais qu'il soigne les gens. Voilà, sur ce petit événement, on va dire, hein, de recrutement de... du dernier prisonnier qui va donc être rebaptisé au prochain épisode. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Ciao.